Aïe! Ah, ça fait mal! Ah, c'est vrai, je m'en rappelle la dernière fois. De quoi tu parles? Et je me rappelle plus de ce qui s'est passé. Moi, si. La dernière fois, Flambino a été piégé comme un débutant. Encore! Et Spider-Money avait mis une bombe. Et il a explosé carrément presque la caverne. Et on sait même plus où est-ce qu'on est. C'est pourtant évident, on n'a qu'à prendre le chemin qui était... Oh non. Bouché par l'éboulement. Oh super. Il n'en manquait plus que ça. Et attends une minute, il est où Flambino Grise et... Et Grotilda? Grotilda, c'est pas notre problème. Mais c'est vrai que Flambino et Grise, c'est quand même un problème. Alors là, franchement, ça voudrait dire que ça va pas vraiment faciliter notre chemin. Espérant qu'on puisse trouver Grise et Flambino en route. Ouais. À moins, bien sûr, si Flambino fait encore son égoïste et décide de partir juste pour son plaisir personnel. Ouais, ça, je te fais vraiment pas dire. Bon. Maintenant qu'on est que deux, il ne reste plus qu'à chercher la sortie. Ouais. Mais la question, c'est où, en fait? Ça, je sais pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est juste avancer notre chemin. Ouais, ça, je te fais vraiment pas dire. Bon. On n'a qu'à prendre cette chemin-là, en espérant qu'on puisse croiser Grise et Flambino en cours de route. Ouais, je l'espère aussi. Enfin, sauf si, comme tu l'as dit, Flambino n'en fait qu'à sa tête. Ouais. J'ai entendu la conversation de Pen. Il se trouve là. Mais j'arrive pas à atteindre l'auteur. Ah! Si seulement il y avait un escalier comme... Enfin bref. Et je n'ai que 8 tempo. Ça fait chier. Dégage-toi! Je te jure quoi. Autant pour dire que la seule solution, c'est que je puisse utiliser les boules de feu. Mais sans que ça risque d'empirer. Donc tout ce que je peux faire, c'est m'avancer le chemin pour croiser Pep puis les réduire. Sauf si, bien sûr, la malchance me tourne. Ce Spider-Money, si jamais je le croise, il est viré. Parce que là, franchement, un interdit comme lui qui fout la merde dans les plans, j'en veux pas. N'en rajoute pas. Oh là là, ça fait mal. Ça, c'est une bombe que je serais pas prêt d'en oublier. Oh, c'est pas vrai, c'est bloqué. Ça, je te jure, ces éboulements, ce Spider-Money, maintenant je comprends mieux pourquoi est-ce que Pen l'évite comme la peste. Et Flambino, réveille-toi. Non, je dormais pas, je restais réveillé. Où est-ce qu'on est? Oh, je pense qu'on est dans une partie de la caverne qui doit être un peu humide. Quoi? Humide? Ça, je te jure, ce crétin de Spider-Money! Et il est où, Pen et Thor? Pen et Thor se trouvent dans une autre côté de la caverne. Eh merde! Maintenant, je me retrouve avec un gros pleurnichard. Quoi? Ouais. Parce que même un gros ne serait pas si obèse que ça. Oh, enfin bref. Bon, il faut juste que je trouve la sortie. Et après, je pourrais peut-être t'aider. Comment ça, peut-être? Bah, écoute, je veux pas quand même rester dans une caverne. Je suis un peu claustrophobe pour ce que c'est, hein. Mec, faudrait coopérer maintenant. Parce qu'à chaque fois, lorsque tu affrontes les ennemis tout seul, tu n'arrêtes pas de perdre. Alors là, c'est complètement faux. Je te rappelle quand même que j'ai réussi à battre Whistempo. Whistempo est un Pokémon type plante. Normal que tu as réussi à le battre. Mais alors pourquoi tu t'es fait bêtement piégé? Bêtement piégé? Hey, je te rappelle quand même que j'ai quand même battu pas mal d'adversaires dans le Prairie Sauvage. Parce que c'était les moins coriaces. Ça, je te jure, quoi. Bon, tout ce qu'on doit faire, c'est juste coopérer pour sortir. Tout ce qu'on peut faire, c'est juste emprunter le même chemin, puis avancer. C'est ennuyant. Pourquoi ne pas essayer de faire la course? Tu crois vraiment que c'est le moment de faire une course dans un moment pareil? Bah... Ouais.
Bah, de toute façon, je te laisse, je vais juste courir à travers la caverne. Comment tu peux être aussi égoïste? Toi, tout ce qu'il préfère, c'est juste faire la course, faire une tournée, et à chaque fois, tu veux battre tout seul, et tu reviens toujours au même problème. Tu sais, c'est vraiment mal de critiquer les autres quand même. Non mais, franchement, c'est incroyable! T'es vraiment pas incroyable! À chaque fois lorsqu'on te fait un remarque, à chaque fois lorsqu'on te critique, toi tu n'en fais qu'à ta tête et tu ne fais même pas d'effort pour t'améliorer! Parce que j'en ai pas besoin! Tu sais quoi? À bout d'un moment, tu vas pas t'étonner après pourquoi est-ce que tu es seul. T'es vraiment mignon, toi, comme gars. Mais de toute façon, moi j'y vais tout seul! Bah vas-y! Vas-y! Fais comme tu veux! Je n'ai même pas besoin d'être brûlé comme toi! C'est vrai quoi? Je peux trouver un autre chemin. Je n'ai juste qu'à annoncer que Florbillon il n'en fait qu'à sa tête et qu'on n'a pas besoin d'un mec comme lui. Ben sera peut-être de mon avis. Mais où est-ce que je peux trouver un autre chemin? What the? Une cuvette? Dans une grotte? C'est vraiment trop bizarre. Attends, il n'y a pas d'autre chemin? Faut croire que je suis obligé d'être avec ce tête brûlée. Je te jure, quoi. Oh, mais où est-ce qu'on est? Mon père a dit qu'on est dans une grotte. De nez? Ou de fesses? Non, on rajoute pas. C'était pour vous faire plaisir. Boum. Toi, Spinner Winnie, tu nous as ruinés. Tu as ruiné notre plan, notre occasion parfaite de battre Ben. Encore. Je te jure, tu auras de quoi payer pour réparer tes conneries. Je pourrais casser le bâton. Ça pourrait faire réparer plus. Parce que c'est cool. Deux, trois. Toi, tu sais jouer. Laisse tomber, je te jure. Quoi? Non, mais je te jure, Chris, il est vraiment chiant des fois. Faut vite se planquer. Oh merde. Tu n'es qu'un égoïste. Non, mais je te jure, quoi. C'est juste que j'ai eu la malchance, c'est tout. De toute façon, quoi que je fasse, je reste quand même redoutable. C'est juste la malchance qui me pourrisse. Je te jure, ils ont pourri ma vie. Attends une minute. Oh merde. Peut-être que c'est le moment idéal. Pourquoi? Ouais, tu sais. Formino est tout seul, il est même vraiment facile à battre. Il faudrait que t'achètes un cerveau. Boum. On va voir si l'hippopotamus dont tout le monde me critique croit que je suis une grosse loseuse. Eh ben je vais leur prouver leur contraire. Non mais c'est vrai quoi. À quoi bon changer? Ça sert à rien. Ça va revenir exactement la même chose. Même si je ne pense aux autres, eh ben ça va revenir à la même chose de toute façon. Je suis bien tel que je suis. Je suis quelqu'un de courageux. Je ne relâche rien. J'ai du cran quand même. J'ai quand même beaucoup de potentiel. Et puis la preuve, je serai capable de sortir de cette caverne en éclair. Tada! Bizarre, je viens de croiser le même chemin. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce pins? Bon, c'est la malchance qui me joue des tours. D'accord. Oh, je sais! Ballon brûlant! Pou, pou!
peut-être que finalement c'est peut-être pas une si bonne idée. Je fais comment du coup? Je sais me débrouiller. Je fais comment pour gérer une telle situation? Coco! Ah! Oh! Qu'est-ce que... Hé! Hey, tu veux jouer avec moi? Moi? Tu veux vraiment que je joue avec toi? Oui! Oh, mais bien sûr! Point de feu! Oui! Cherche un autre débile! Con, pauvre con! Je te jure! Hey, tout le monde! Si vous escaladez devant cette paroi, vous recevez une belle récompense. Bof. Vous pouvez sortir de cette caverne. Je sais comment me débrouiller. Ou peut-être chercher un adversaire. Ça m'intéresse. Oh. Coucou, connard. Placage. Oh, l'enfoiré, c'était Gloria. Et toi là? Oh, quoi encore? Tu te souviens quand tu m'as frappé? Ouais. Et ben je vais niquer ta gueule. Oh non. Pauvre con. Eh ben, c'est moi? Est-ce que c'est... Flamido? Non, je vais très bien. C'est juste parce qu'il y avait un Teddy Ursa qui m'avait frappé. Qu'est-ce que tu lui as fait? Parce que j'ai entendu dire que les Teddy Ursa sont amicales, à moi bien sûr, si on le frappe. Ah bah toi, tu es cultivé peut-être. Je fais partie du même race que Teddy Ursa. Ah bah non. Comment ça, pardon? Attends, tu as osé le frapper, c'est ça? Bah non. Ne joue pas en menteur. Oh, je te jure, quoi. Mais d'ailleurs, est-ce que tu as trouvé la sortie? Non, mais je vais pouvoir atteindre le but. Bah, puisque je te le dis. Oh, en plus de ça, tu as même ton copain Grease. Hein? Ouais, ça m'étonne même pas, vu que vous êtes fait l'un envers l'autre en termes d'amis. Enfin, soi-disant, puisque tu as tendance à séparer. Gloria, j'aurais dû m'en douter que tu sois là. On essaie de chercher Glotilda, mais apparemment, on n'arrive même pas à la trouver. Oui, exactement. Alors, franchement... Ce que tu m'as fait là, c'était vraiment dégueulasse. Avec toi, c'est facile d'atterrir dans notre piège. Je te jure, je vais vraiment te défoncer. Alors là, franchement, Gloria, tu peux te garantir un truc. Moi, je t'en ferai pas cadeau. Ah ouais? Même si tu es de type blanche alors que moi je suis juste de type haut, eh ben y'a même pas de problème. Je t'ai déjà affronté et je n'ai même pas eu moins de problème. Eh ben, battons-nous. Stop! Quoi? Quoi? Mais le jeu de combat trop à la façon Pokémon, ça devient trop répétitif. Et alors, qu'est-ce que tu en sais? Ouais, les combats, c'est notre truc. Non! C'est pour cela d'ailleurs que cette fois, je vais proposer quelque chose de très innovant. C'est l'heure de l'émission de Speedo Mouli. Comme vous le savez, on a quatre candidats dont ils se feront même de deux équipes. À ma gauche, la bande Belle et à ma droite, la bande Grotinda. On a des candidats qui sont plutôt curieux, qui ne veulent même pas se laisser faire. D'autres qui veulent se venger par rapport à sa personne parce qu'il a volé son nom. Mais c'est pourtant évident. D'autres qui a un gros attardé qui est franchement trop stupide. Ah bah tu crois que t'es pas attardé peut-être? Je suis pas attardé, je suis super attardé. L'autre qu'on a un gros lard qui pèse beaucoup de kilogrammes. Qu'on dit qu'il a mangé un McDo. Et à la pâte crétin, tête brûlée, qu'il n'arrive pas de perdre. Hey!
C'est tout ce que tu mérites. Bref, les choses sont très simples. Je vous propose un petit mini-jeu par manche. Et c'est très simple. Le vainqueur aura le droit de sortir de la caverne. Alors que tandis que le perdant devra rester dans la caverne. Est-ce que t'es vraiment sûr qu'on peut lui faire confiance? Si c'est pour gagner, ben on va le faire. Premier mini-jeu, vous allez devoir faire un ni oui ni non. C'est quoi ce jeu totalement pourri? Bah oui, c'est pourtant évident. Si vous dites oui, vous avez perdu. Si vous dites non, vous avez perdu. Alors que l'équipe qui n'a pas prononcé le moindre oui ou non gagne un point. Alors, c'est parti. Waluigi, tu vas très bien? Oui. Que la bande à peine a gagné. Trop cool. Espèce d'abruti. Et toi, tu n'es pas censé être dans notre bande. Mais si je peux faire plaisir pour vous perdre. Deuxième épreuve. On va faire un pierre feuille papier ciseaux. C'est pourtant évident, à moi l'honneur. De quoi place il y a dire. Pierre feuille papier ciseaux. J'ai fait ciseaux. J'ai fait rock. Quoi? Tu as aussi frappé un candidat! Bah et alors? Ça veut dire que tu n'as même pas un point! Quoi? Oui, ça vient Gloria! Elle t'a pas frappé! Mais il n'est même pas marqué dans les règles! Si, c'est marqué dans mon cul! Ah, je te jure! Ah, merci beaucoup Flambino, hein! Merci à moi? Parce que tu crois que c'est ma faute? C'est Spidomini, t'as débile? Ça en fait deux points pour la bande Grotinda! Pour avoir osé à vous insulter! Quoi? Oh, je te jure, tais-toi, Flambino! Faut pas qu'on crée le moindre problème! Bon, très bien! Troisième jeu! Le troisième jeu en question s'appelle. Tu te tiens, je me tiens par la barbichette! De le premier qui rira aura une tempête! Laisse-moi faire, je m'en occupe. Moi aussi. Je te tiens, tu me tiens par la babichette. Le premier qui rira aura une tapette. Hey. Tu sais comment c'est quand même mélange entre sous-marin et chou? Un chou-marin! Hé, hey, je peux te faire un guéri? Me réponds, merde! Bah arrête, tu vas me faire rire! Arrête! Tu as osé frapper Gloria, donc ça en fait 3 points pour les grands bandes de candidats! Quoi? Mais c'est quoi ce délire? Mais le jeu s'appelle bien par la barbichette, le premier qui ira une tapette. Mais c'est bien le but. J'ai dit tapette, j'ai pas dit frapper. Pauvre con. Et c'est maintenant que je devrais te remercier. Bref, maintenant, on va passer à quatrième jeu. Bah, tu sais quoi, je commence sérieusement à me saouler. Hé, l'hippopotamus. Oh non. Ça en fait 2 points pour la bonne à peine. Je te jure, tu es vraiment flouté, espèce de lapin crétin. Nananananère. Bon, ça suffit, les gamineries. Ok, on va faire un ni oui ni non. Mais on l'a déjà fait, chut. Bon, voilà. Hé, Flambino, tu te crois être le plus célèbre? Évidemment. Réponds, merde! Tu es vraiment trop con, quoi? Absolument pas. Spider Mooney! Flambino triche! 3 points pour la bonne appel! Je te jure, ce jeu est truqué! Ce jeu est vraiment truqué! C'est vraiment n'importe quoi! Ça fait 5 points pour la bonne à Grotinda! Non, mais tu pourrais pas te taire, espèce de gros ours débile! Ça en fait 4 points pour la bonne appel! Pourquoi? Parce que tu as insulté le candidat!
N'y pense même pas. Ce n'est pas en essayant d'insulter que ça va arranger les choses. Eh ben, je dirais plutôt le contraire. Pauvre nul. Allez, donne-moi un point. 6 points pour la bande à côté de... Quoi? Mais je croyais que c'était... Je croyais que ça rapportait les points. Ah ben non, ça n'est même pas le cas. Je te jure, quoi. Je préfère plutôt faire équipe avec quelqu'un de très sympa plutôt qu'avec un tête brûlée. Je te jure. Et moi, je préfère faire équipe avec quelqu'un de très sympa plutôt qu'un gros débile. Bon, on reprend l'épreuve. En fait, je sais plus. Quoi? Quoi? Tu sais tout ce qu'on entend que c'est n'importe quel candidat qui a gagné? Mais non! En fait, l'épreuve, c'est... Sortir la chanson! N'y pense même pas! Je sortirai pas cette merde! Ça en fait 7 points pour la peau de peine! Favorities! Gnagnagnagna, mauvaise joueuse! Je te jure, quoi! Bon, on va maintenant passer au dernier quiz! Alors là, franchement, dernier quiz! Il faut trouver un moyen qu'on gagne les points! Et l'épreuve, c'est. Pierre, feuille, papier, ciseaux! Cette fois, c'est moi qui le fais et je le fais bien! Oh yeah! Pierre, papier, ciseaux! Oh! J'ai fait ciseaux! Et moi, Rock! Oh, finalement, j'ai fait feuille! Quoi? Et c'est la bande à candidat qui a remporté un point! Que quoi? Mais il a changé les règles! 8 points pour la bande à candidat! Sérieusement, Spidomoni, t'es vraiment trop con! 6 points pour la bande à peine! Spidomoni, c'était juste pour te faire plaisir! Ça en fait donc 7 points pour la bande à peine! Hey, Waluigi, tu sais que tu auras récompense si tu me frappes? Ok! Oh! 8 points pour la bande à peine! Espèce de crétin sans cervelle! Donc ça voudrait dire qu'on allait gagner en 100? What? Égalité! Égalité! Incroyable! Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'heure du dernier épreuve! Tout dernier! Celui qui a réussi à souffler pour désigner qui est le perdant! Parce que cette bouche en est qu'il va là, et ça voudrait dire que la bande à candidat a perdu. Si ça va là, ça veut dire que la bande à peine aura perdu. C'est pas une bouchon, c'est juste une sorte de shampoing. On ose critiquer le Speed Harmony. Ah moi bien sûr je veux donner au point à la bande à candidat. Bah chut, non. Ce qu'il essaie de dire, c'est que ton idée est géniale. Bien. Et je présume qu'on peut avoir un point. Non. Soufflez tant que vous pouvez. J'aurais dû y parier. On va voir. C'est totalement débile cette règle. Je n'ai jamais vu une règle aussi stupide. Non mais sérieusement, c'est quoi le but de l'épreuve? C'est quoi l'intérêt? Et puis à quoi bon? Il savait même pas où est-ce qu'il allait la sortie. Autant pour dire que Spidomoni ne sert à rien. Ça voudrait dire que la bande a peine à gagner un autre point. Donc c'est eux les vainqueurs. Ouais. Yeah. Nul, ça suffit, j'en ai plus qu'assez. Il faudrait faire un combat. Au lieu de faire un mini-jeu. Non. Les règles indiquent que c'est un des vainqueurs. Donc ça veut dire que vous êtes des mauvais joueurs. Non mais espèce de crétin. Tu te rends compte que tu viens de allier avec la bande à peine. Que normalement on devrait les battre. En fait je vous ai pas dit où est-ce qu'il avait sonné. C'est quoi? Il se trouve là. Quoi? Mais je vais pas aller dans les toilettes. Les toilettes, c'est fait pour les hommes dégueulasses, pas pour les femmes parfaites. Ouais. Attends, quoi? Bon, il ne reste plus qu'à... Spidermoney, tu as aussi une deuxième sortie? Si vous voulez prendre celui-là, ce serait génial. Bon, d'accord, c'est parti. Mais qu'est-ce que tu me fais? C'est parti. Non!
Alors là, n'y pense même pas. On va pas le laisser s'enfuir. Qu'est-ce que... Et c'est quoi tout ce bruit? Je sais pas, moi. Est-ce que c'est normal, ce bruit? Espèce de crétin! Tu les as laissés enfuir! Ouais! Mais c'est plus pour vous faire plaisir! Au! 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 Baston! Aïe! 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 C'est vraiment incroyable! Sortir par les toilettes, c'est vraiment humiliant! Oh, attends. Eh, mais je reconnais cet endroit. C'est ici où tu t'es fait piéger. Merci de me faire un pire que de rappel. Hein. Mais tu vois, tu comprends pas. On est sortis. On est sortis de la grotte. Mais il est où Pen et les autres? Ils doivent être coincés là. Oh non, c'est coincé aussi. Autant pour dire que... Qu'on peut rien faire. Pourquoi ne pas tout simplement détruire les éboulements? C'est ça le truc, on peut rien faire. Enfin bref, faut juste espérer qu'on puisse croiser Pen et Thor dans un autre chemin. Ouais, c'est vrai. Mais surtout, on doit juste enfuir avant que Walid J et Gloria puissent nous choper. Hein. C'est vrai, pour une fois je suis d'accord. Ah, pour une fois, t'es d'accord. Quand est-ce que tous les trucs que je fais, tu es d'accord? Eh ben, désolé de dire ça, mais ta façon dont tu balades tout seul, que tu affrontes tout seul, je suis pas d'accord. Hein, j'aurais dû m'y attendre. J'aurais dû m'y attendre. Bon, Flambidon, est-ce que ça va? Bien sûr que ça va, je vais... je vais très bien. Flambidon, ça va? Mais puisque je te le dis... Flambidon! Ça va pas? Oh, c'est pas vrai, c'est ça que t'es tôt. Je supporte pas. Je me sens pas vraiment bien, mais t'inquiète pas. Va, Grizzly, tu peux y aller tout seul, moi je peux me débrouiller. Non, tu vas pas bien. Là, il faut vraiment que je t'aide. Mais puisque je te le dis que je peux me débrouiller... Et puis de toute façon, toutes les choses d'horreur dont je t'ai dit sur toi, tu devrais comprendre que je mérite de me débrouiller. Jamais! Tu fais partie de notre bande et je te laisse jamais tomber! Grise! Tu me laisses même pas tomber malgré toutes les choses horribles que je t'ai dit? Mec, on fait partie de la même bande. J'espère juste pouvoir trouver quelqu'un qui pourrait te soigner. Oh, franchement, tant pour dire que ça va vraiment mal aller. Tiens bon, Flambino. Tiens bon.